le match qui va commencer d'ici quelques secondes. Le tirage a été gagné par, par Milintran et Katerina Sarbulescu. Et c'est parti pour cette finale du double féminin. Pour ce World Series Bonzini 2023. Alors comment est décidée la ville pour les World Series? J'en ai pas la moindre idée. J'imagine qu'il y a forcément des discussions et des propositions. Avec la fédération sans doute. Bien sûr. Et la première balle à l'avant. Pour Marine. Paul. Puisque c'est Marine Paul avec la casquette de l'OM. Et Katerina qui rigole. La petite courte. Elle est belle, hein, pile poil dans la garde. Gentillet, gentillet. Même Anaïs hein, qui a rigolé derrière. Puisque c'est, on a Marine Paul à l'avant et Anaïs Noël à l'arrière sur votre gauche. Et là le snake de Milintran à l'avant et bien sûr derrière. Et Katerina Sarbulescu. Les premières poussées pour Milintran. Alors la régie, il y a un partout. Juste pour information. Ah, je pense qu'elle complète bien son jeu, hein, la petite courte. Et ça y est, le score est mis à jour. Ça y est, ils se sont réveillés. La pause était trop longue aussi pour la régie. Et j'ai vu qu'ils ont une barquette de frites derrière. Ah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Et c'est peut-être à cause de ça. Et c'est peut-être à cause de ça. Et du coup, bel arrêt de Anaïs Noël qui revient du coup. La balle revient dans la, sous le pied de Marine Paul. Et peut-être pour une balle de 2-1. Elle travaille bien son adversaire, la Marine Paul. Et c'est ça, il a l'aller-retour. Mais est-ce que c'est encore l'aller-retour avec la... En petit, voilà, en petite... Ah, si, en petite injection. Ouais, en petite injection virgule, là. Ouais, en petite virgule. Et là, Milintran qui va encore dérouler sa barre des 5. Alors, t'as vu que cette fois-ci, Milintran est avec les bleus et pas avec les rouges. Tout à l'heure, c'était le problème avec les rouges. Hein. Oui, mais sauf qu'ils ont changé de top depuis. Hein. Et c'est pour ça. Alors, est-ce que c'est à cause de ça ou pas? Ah, voilà, on a les termes techniques. Retour cuillère, ça s'appelle. Eh oui. Elle prend bien son temps, elle fait jouer et ça passe. Et ça part sur une tirée du coup. Hein. Et là, je c'est parti 3-1. Elle a dû toucher. Hein. À cuillère virgule, j'avais le mot virgule, donc j'étais pas non plus si débutant. Elles ont créé le break, hein, Marine Paul et Anaïs Noël. Maintenant, faut garder cet avantage. Et attention à la passe. La même... Attention, ouais, et voilà la passe. Hein. Et oui. Elle a fait du mal hein, tout à l'heure contre Cindy. Oh Carole, oui, elle en a ça fait a offert du mal, beaucoup hein. D'occasions okay, oui, à Milintran pour tirer. Et là, on voit la position du snake. Oh, j'ai cru... Ouh, le retour aurait pu être très très dur là. Mais Anaïs Noël était bien attentive. Ah, tentative de passe aussi je crois là. Il me semble. La part d'Anaïs. Ouh. Et ça se bat mais du coup ça finit dans les pieds de l'Allemande là. Et Marine qui est très active. Côté, là, hein. Ouais. Qui est très active également. Mais on l'avait vu déjà hier. Hein. Bah on sent que Milintran elle a, on va dire, plus de difficultés que sur cette table Léonard, c'est sûr. Même si la barre des 5 est plutôt bien passée. Enfin du moins sur le match d'avant ça se passait plutôt bien. Là est-ce qu'elle va réussir à reproduire la même chose ou pas? Ouh, et ça finit en bois ça. Hein. Dommage. La cuillère, voilà. Le retour cuillère, pardon. Le retour au cuillère. Le retour cuillère n'est pas passé à finir dans le bois, c'est dommage. Et la balle de 4-1, très gros avantage si elle la met celle-là. Hein. Bien travaillé l'adversaire encore une fois. Et elle prend son temps, elle a retenté la même chose. Et le retour cuillère encore une fois. On va pas arrêter de le dire. Hein. Faut que vous soyez prêts. Et là c'est la tirée. Ou jamais 203. Ah, ou ça temps mort. Peut-être le temps mort, ou alors ça tire. Ah non, oh, ça tente là sur place. Sur place croisée, mais Sarbulescu était là. On voit un peu plus de difficulté à placer la balle hein, sur Bonzini en push ou en pull shot. C'est ça, le tapis étant un peu moins régulier que sur les autres tables, c'est un peu moins facile. C'est ce qui fait le charme.
de notre table. Ouh, il s'est récupéré, maintenant c'est contré, récupéré par Milintran de l'autre côté. La balle qui a traversé toute la table pour aller se loger sous les pieds de Milintran. Et il a poussé, il a poussé. Encore une fois, deuxième poussée. C'est vrai que pour l'instant on a vu beaucoup de surplace et de poussée. Du coup balle. Il va falloir garder cet avantage maintenant, dommage le passage qui passe pas. Il va falloir faire quelque chose pour garder, garder cet avantage. Et là ça bouge. Là ça bouge sur. Et voilà, là, c'est la passe, bien joué. La passe est contrée, c'est bien joué. C'est une fois mais pas deux. C'est ça. Et peut-être. Non, la poussée qui passe pas. Est-ce qu'elle aurait une petite tirée croisée qui reste qui serait dans la les tiroirs courte, par hasard la petite courte. Ça pourrait être intéressant. Comme elle a réussi à passer sur le premier tiers. Et l'appel de Milintran pour voir comment a réagi Anaïs Noël. Elle fixe bien, hein. Et c'est en mort. C'est ça, elle est en mort. Du coup Milintran pour recoller à 3-3. Oui, ça prend c'est un poteau, c'est un la poteau ça. Qui prend le poteau. Et oui! Et le poteau qui profite à Anaïs Noël, hein, parce qu'on le rappelle, elle récupère. Dernière personne, enfin la personne qui a fait la dernière action de jeu perd la balle. Et c'est redonné à l'adversaire à l'arrière, tout le temps. Peu importe où la balle sort. Je crois que des deux, c'est encore trop gentil, je pense. Mais oui, mais Anaïs Noël qui est bien là, hein, qui est bien présente. Hein. Toujours la poussée hein, qui est essayée la part de Milintran. Après, faut pas. Ouh, la belle passe, c'est joli ça. Allez, passe Marine, pas... cette fois-ci, on débloque. Très habituel de voir ces passes là, hein, passe en plein axe, c'est très très rare. Mais là, ça se voyait bien que c'était une passe. Hein. Peut-être la courte ou la croisée. Eh non, c'était une longue tirée. Hein. C'était une longue. Hein. C'était une longue tirée, ouais. Et retour dans les pieds de Milintran. Tirer ou sur place? Je pense que ça va être une tirée. Hein. Ah non, il poussait, elle va sur la poussée quand même. Et ouais, elle était placée pour. Par rapport à tout à l'heure, hein, à son placement habituel, on a vu qu'elle était un petit peu plus sur la gauche. On pouvait s'attendre à une tirée. Ah, et du coup, passage qui était rendu. Enfin, un balle qui a été rendu directement. Ouah. Là, Marine Paul va falloir assurer ses passages et surtout trouver des solutions. Réussir à enlever quelques balles, à réussir à les dévier sur les passages. Et la poussée encore, et là c'est très 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 loin. Là elle était vraiment très loin parce que Anaïs était là. Prend le poteau, hein. Prend le poteau aussi. Rageant, balle de 4-1. Et oui, je pense que ça doit être très 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 rageant. Très très difficile pour eux apparemment. Pas satisfait de leur match. Qui n'ont malheureusement pas eu la possibilité de défendre leur titre. En finale, du moins. En finale. Ouh, c'était cadré ça, hein, de la part d'Anaïs. Le tir d'Anaïs, elle se réveille, Anaïs derrière. Elle propose voilà, quelque chose, et oui, et ça passe, mais on recolle à 4-4. On prend tout ce qu'il y a à prendre, évidemment. On a le même. On a la même. On va dire le même vocabulaire que Cindy. Voilà, c'est ça. Oh, non, et la merguez. Pas sur ça. Oula, attention. Balle de manche. Le baby foot, il est réglé. Il va être déréglé je maintenant. Crois que c'est Anaïs qui. C'est Anaïs qui a levé. Et c'est parti pour la deuxième manche. Là, il va falloir qu'elle s'accroche, hein, Marine et Anaïs. Il va falloir que Marine trouve les solutions devant. Là, Anaïs a été très solide. Elle s'est réveillée hein, sur ses poussées parce qu'elle en a sorti quand même pas mal de suite. C'est vrai. Elle a peut-être réussi à choper. En voyant que Marine avait un peu plus de mal à trouver de solution. Elle avait essayé deux allers-retours, quelques tirées, une poussée, mais elle n'arrivait pas à trouver l'ouverture. Et là, ça a été une tirée longue qui a été bien bien dressée, mais Katerina était là. Ouah. Et Anaïs qui se bat, qui s'est battu pour pas que Milintran ne la récupère. Elle a dit certes, je ne l'ai pas, mais tu ne l'auras pas très non plus. C'est carré hein, le jeu de Milintran. Et,
rien à dire. Très carré à part. Pas sur l'erreur, pas sur l'erreur, attention. Hein. Mais les passages ennemis sont quand même très très propres. Hein. Et nous aussi. Bah oui, mais là aussi c'est propre, hein, évidemment. Et voilà. La surprise. Créer la surprise. Cette fois-ci, elle passe la tirer. Faut continuer à complimenter ça. Allez Marine, continue, t'es la meilleure. Et là tu contres et là tu marques. Voilà, le contre. J'ai pas eu le temps de dire tu marques. Qu'elle avait déjà contré. Allez Marine, tu sais faire. Et même si c'est pas sa table à Milintran, elle se débrouille quand même très bien pour Après elle est quand même champ. Elle a un sacré niveau sur multitable. Notamment un Hall of Fame sur Tornado. Notamment. Mais... Notamment quelques titres World Series. Bon. Oui, aussi. On a déjà eu la discussion, mais je pense que la table Bonzini pour les étrangers est une des tables les plus différentes. Et donc plus difficile. Plus difficile à aborder. Et peut-être tout un style de jeu en fait qui change. Exactement, déjà de base, déjà les joueurs sont en métal. Ouais, comparé à toutes les autres tables. Toutes les autres tables. Enfin, toutes les autres tables sur les 5 tables officielles, bien officielles. Sûr. On parle des tables officielles et TSF. Ouais. Donc la Garlando, Roberto, Leonard et Tornado. En plus du Bonzini. En plus du Bonzini. Bien joué, ça, Marine, la passe. Elle passera pas. Mais oui, faut pas lui laisser passer celle-là. Hein. Ça vient pas. Et ça reprend côté. Ah. Apparemment, il y a un petit quelque chose sur la table qui a fait ramener visiblement la balle. Et dévier sa course en tout cas. Injection moins rapide que sur Léo par exemple. Oui, par exemple. Et Anaïs saute doucement, attention à pas se faire avoir pour sur des contres comme ceux-là. Et surtout prendre un but bêtement. C'est bien, elle prend son temps quand même. Ah dommage la passe. C'était très bien tenté de la part d'Anaïs Noël, mais. Et toujours le placement, la push shot des Katarina. Attention à la passe. Hein. Attention à la passe. Et voilà, elle a tenté en bas. Ça a marché une fois, mais pas deux. C'est ça, mais par contre. Et là, quand même récupération. Melintran va pouvoir marquer le premier but de cette deuxième manche. Et toujours cette fameuse poussée encore. Hein. Et Katarina défend super bien aussi. Et oui. Katarina, pas n'importe qui. Hein. Non et par plus. Contre, cette fois-ci, Katarina qui joue beaucoup sur Bonzini, puisque c'est la table qu'elle a choisie lors de la Coupe du Monde de Nantes multitable. Et là. On l'entend, Marine réfléchit, bordel. Voilà, la tirée courte qu'on attend depuis tout à l'heure. Eh oui. Ah, tirée courte, légèrement décroisée quand même. Et oui, c'est celui-là que je cherchais. Ouais. Légèrement décroisé par contre. Mais du coup, si ça peut semer le doute chez Katerina. Voilà, c'est ça que je veux dire tout à l'heure, c'est que c'est très propre. Oui, la tirée forcément, elle fixe la poussée. Et oui, à un moment donné. Ah, c'est qu'elle sait faire aussi la tirée. Apparemment, on l'avait pas encore vu, mais assez la faire. Apparemment, il y arrive. Bien sûr, un Minitran de très grande joueuse. On lâche pas le bois. Là, mais peut-être qu'elle est plus à l'aise en poussée qu'en tirer. Oui, aussi. Un certain Julian, par exemple, qui est de même. Qui préfère également la poussée à la tirer. Pardon. Oui, ça tente le tir quand même au cas où. Demi. Ouais, au cas où. Ah, sur un malentendu, si ça peut passer. Et prendre l'avantage. Ouh, ah, et plein centre du coup. Ah, c'est excusé quand même sur celle-ci. Hein. Un Minitran. Elle a changé de technique hein, pour défendre au niveau d'ennemis. Surtout au niveau des positionnements de ses mains. Premier temps mort pris par Minitran. 30 secondes. Ah bon 30 secondes. Ah. Je sais pas ce qui a pu s'être dit. Très belles images à côté de nous. Très émouvant. Ouais. On a Nicolas et Pascal de Nivelle. Non, c'est pas Nicolas, c'est Arnaud. C'est le petit. Ah, autant pour moi.
Il était de dos, je l'avais pas vu, c'est pour ça. J'avais vu que Pascal de face. Et retour sur le pull shot, et oui, la passe encore. Hein. Mais sauf que Marine était là, dévié comme il fallait. Et ça lui revient dans les pieds comme il faut. Maintenant, il n'y a plus qu'à la marquer comme il faut. Là, c'est toi qui lance tes pronos, Martin. Donc, normalement. Ah oui, normalement. J'en fais pas beaucoup, mais quand je l'ai fait, enfin, j'espère. Et, oui. Et un peu de suspense. Bah oui. Un peu de suspense. Faut garder, un peu de suspense, évidemment. Et peut-être que vous avez déjà des matchs préférés. Est-ce que vous avez des matchs qui vous... que vous savez que vous avez envie de revoir la semaine prochaine? Voilà. Alors, dans tous les cas, les vidéos sont pas perdues parce qu'elles vont être enregistrées. Mais après, je ne sais pas comment. Oh, dommage, dommage. La cuillère du Sud. Le retour cuillère du Sud qui part dans le bois. Et non, les vidéos sont pas perdues, hein, Vincent. T'inquiète pas, elles sont pas du tout perdues. Et encore une fois, la passe, la belle passe d'Ekaterina Serbulescu vers sa coéquipière. Wow. Oui, c'est parti bien ouais, dans le bois, c'était, ça. Hein. C'était loin. Hein. Ah oui. Et pas tellement son temps, Marine non plus, hein, devant. Ouais, pour les matchs de la Coupe du Monde, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais en tout cas, je sais que les matchs qui ont été filmés sur zone numéro 1 ne sont pas perdus, pour sûr. Sur les autres zones, ça, je n'ai pas l'information. Il a poussé, c'est encore. Repart, hein. Du coup, 4-2. Balle de 2-0, là. Hein, pour, 3 balles de 2-0 pour... Non, j'essaye de remettre à jour également pour, Coral, pour l'Allemand, mais et la Roumaine. J'ai pas les résultats de l'autre demi-finale, mais on suppose que c'est Olivier Kovos et son fils Enzo Kovos. Mais qui, si, c'est sûr, c'est sont sûr que, en finale. C'est sûr que c'est ça. Je prends note pour le simple Sven Miguel. Pas mal alors qu'il a mis 3-0 quand même à Sven. Hein. Mm. Oh, et ça passe. Et c'est Ekaterina qui offre la derrière, deuxième elle manche. Elle l'a mis tout à l'heure. Hein. Oui, mais c'est gros soulagement, je pense, pour Milintra. Donc ça fait 2-0 par contre. Je mets numéro 1, simple Miguel Sven. 2-0, c'est dommage pour nos Françaises. Et là, va falloir se réveiller, c'est maintenant. Hein. Ah, est-ce que tu as réussi à entendre ce qu'elle a dit? Il y avait quelque chose sur le tapis? Apparemment, il y avait quelque chose sur le tapis, visiblement. Du coup, la balle est quand même rendue à Marine. Je prends note de vos retours, hein, vous inquiétez pas, notamment pour le deuxième choix, Adam Sven en mixte. L'appel. Marine qui travaille, qui travaille. Ah, ça a tenté non, ça ne part pas, le retour cuillère. Le retour pas cuillère, l'aller-tour. Ou la retour, non. Le retour virgule. Et Miguel, oui, gagne le simple, excusez-nous. C'était le dernier match d'hier soir et il a gagné contre. À chaque fois, je perds son prénom. C'est Travers, son nom de famille. Mais j'ai plus son prénom lors de la finale. Je ne sais plus. Mais c'est Miguel qui a remporté en tout cas le simple hier. Ah non, Fred, Frédéric Travers. C'est Frédéric Travers. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Frédéric voilà, ouais, merci, ouais. Merci de la confirmation. Ah, oui. Voilà, super, merci. Mais en tout cas, c'était la finale qui a été proposée hier. Je pensais et c'est Miguel Ledoux, qui a remporté 3 manches à 1. Je sais pas pourquoi, j'avais en tête Ledoux, je sais pas pourquoi, mais j'avais ça alors que tu me parlais vraiment de Travers, mais non, autant pour moi. Donc là, ça n'arrive pas à conclure, mais. Et mine de rien, depuis qu'on les a vus là sur le stream, les quelques matchs qu'on a pu vous proposer, on a vu quand même Milintran et Ekaterina Serbulescu très solide. Hein. Et puis constant, hein. Même si Milintran elle a quand même beaucoup de balles à l'avant, comparé aux adversaires, du moins sur les matchs qu'on a pu voir. Hein. Mais là, Milintran et Ekaterina qui déroulent un peu leur jeu. Et là, Thierry croisé, hein, Milintran, la première qu'on a vue pour l'instant. Et malheureusement, il n'y a qu'une table. On peut pas tout filmer, on peut pas tout filmer. Et non. Et ça passe. Et la courte, hein. La course, comme ouais. On disait. Hein. Ouais. Ça peut débloquer beaucoup de choses, je pense. Et là, on recolle. On recolle à un partout.
Et ouais, mais sur sauf que cette troisième Minitran manche. très 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 efficace hein, sur sur sa barre des 5 pour les passages et Et toujours voilà. cette poussée. Ouais, Toujours ouais, le ouais. snake poussé. Et très 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 intéressante au contre aussi hein. Là, tu vois, je sais pas si t'as fait attention là, Ludo, mais elle prend quand même la barre à deux mains. Donc la question Ah, que tu la me question posais qu'on tout se à posait tout l'heure. à l'heure, c'est qu'elle a le droit vu que ses deux mains sont au moins sur une poignée en soi. C'est ça. Oh, oh, dommage la récup. Dommage la récup, mais c'est bien ça pour Marine. Et c'est bien, et maintenant il va falloir la caler au fond. Et du coup, la sanctionner pour l'erreur qu'elle a faite là. Hein. Effectivement, il y a bien les résultats. Merci. Et là, va falloir Yulion. sanctionner. Et oh là 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 là, retour Ah, mais on cuillère prend. croisé. On prend. Le retour cuillère croisé. Pas facile celle-là. Non, 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 non. Peut-être pour ça qu'elle s'est excusée. Une petite merguez, voilà. C'était par rapport à son Non, le snake de tout à c'était l'heure pas vraiment une où merguez. Militran Non, non. a s'est excusé. Non, je suis C'était la désolé pour. Kleine Non. Currywurst. Pour moi, c'était pas une merguez. Hein. Je suis désolé, c'est un beau tir. Elle s'attendait pas à ça en face. Ah bah ça c'est Et sûr, bah voilà. ça a dû être surprenant. Bah voilà. Emeline Tran devant. Du coup, Anaïs Oh, dommage. qui arrive à bien gauler. Ah, Et toujours un attention à la truc. Ouais, passe. Et excuse. oui, mais Il oui, l'a Martine. pris. Mais oui, Martine, j'allais dire. Mais non, mais oui, Marine, pardon, Marine. Mais oui, Marine. Attentif sur la passe. Faut pas Cette fois-ci, blanc du bois lui qui laisser. passe. Faut absolument pas lui laisser ça. Est-ce qu'elle va. J'allais dire qu'elle attendait pour le temps mort, mais. Ah oui, temps mort, il y en a deux temps mort hein. Ouais. Est-ce que Mélin Tran va pouvoir passer à 3-2 dans cette troisième manche Qu'il les et prendre laisserait. l'avantage? Eh Et non, cette fois-ci, non, la tirée non, qui passe non, pas. Anaïs qui est bien restée sur place là. Elle a dit je ne m'en vais pas. Et Anaïs qui va chercher. Est-ce qu'il va chercher la petite passe? Oui. Oh, Ouh, dommage. dommage, dommage, Oh, dommage la dommage. passe. Elle était si belle. C'est encore le côté rouge. Oui, mais là c'est un autre baby donc ça n'a Ouais, rien mais à c'est voir. encore le côté rouge. Oui, mais ça n'a rien à voir. On la relance rapide. Oui, mais c'est. Je pense que ça a été dégagé comme ça pour Pour surtout pas éviter. que. Et oui, c'est Voilà. contré, c'est Marine beau. qui a préchoté la passe, qui se met devant et qui marque. Ah oui, ah là c'était prono par contre, hein. C'est pas les miens. Bon, bah j'ai plus de bons pronos, c'est fini. Voilà. C'est terminé. C'est fini. Et là, elle part un peu plus haut, j'ai l'impression, Ekaterina. Oui, elle est moins proche du bois, hein. Ouais, c'est ce qui me semblait, hein, qu'elle était un peu plus haute. Que la balle était un peu décalée vers la gauche par rapport à tout à l'heure. Par rapport à son départ. Et Anaïs qui arrive pas à trouver de faille dans la. Enfin de trou dans Là, la grille de deuxième Minitran parce de la que. Mélintran. Ah, là sur place. Ah, dommage, Marine qui a pas réussi à rattraper cette balle. Mais le placement est Et quand même du plus coup. haut, hein. Ouais, c'est un peu plus haut que tout à On est l'heure. toujours Hein. sur le même placement du push shot. Et du coup, est-ce que ça attend pas à un tir, par exemple? Ah, Plutôt qu'à des passes. ouais. Ah, là, elle a tenté une passe en tout cas. Ouais. Elle a tenté une passe, mais est-ce que. Ce serait pas une meilleure position pour faire. Pour tirer. Ouais, là, redescend un J'allais peu. dire, il n'y a pas de Non, non, pression en fait pour cette finale-là. Les quatre joueuses ont déjà eu des moments de pression, des grosses finales. Oui. C'est facile pour elles. Après, une finale, c'est toujours, toujours impressionnant quand même. Un hein. Finale de World Series. Ah, tu On va penses pas qu'on pouvoir. s'y habitue à la fin? Bah, je pense que. Bah, après, je sais pas hein, s'il y en a dans le chat qui ont déjà remporté des World Series. Dites-le nous. Je pense qu'on s'habitue pas vraiment. Il y a toujours la petite pression de la finale quand même. Hein. Peut-être, peut-être. Sauf pour Estelle. Et la passe qui a loupé Millintron, du coup, le joueur peut-être un peu bas. Ah, à part manger TLC, habitué des finales. Ça va les sudistes. Alors SLJ, si tu remarqueras, Marine Paul a toujours une La casquette casquette de de l'OM, l'OM. ouais, toujours. Ça fait des années qu'elle a la casquette de l'OM. Et justement, on se demandait est-ce que c'est la même depuis moi Ah, je l'ai vue ça c'est une sur le bonne circuit en question. 2013 ou quand même une nouvelle. Une bonne question Ou alors ça. elle en prend soin.
Ah, peut-être que c'est la casquette fétiche et qui. Ah, si, ça, on peut pas la changer. C'est la casquette porte-bonheur. Alors, sûrement Vincent va savoir nous renseigner un peu plus. Et poteau, les barres, non? Un peu, ouais, je trouve. Quand. Bah, quand même. Oui, oui, oui. Ouais, c'est à l'arrière, hein, c'est bien les barres. Je crois, la je barre crois que c'est la barre de. Ouais, je crois que c'est la barre de défense d'Anaïs. Hein, la barre des deux. J'ai l'impression. J'en ai bien l'impression, ouais. On rentre dans les débats du football et non plus du football. Allez, Marine. Au contre. Je soupçonne qu'elle ait un stock. Alors, on posera la question, on lui posera la question. Allez, Anaïs à la relance ou peut-être la passe. Peut-être, mais du coup c'est quand même très très dur encore hein, pour l'instant pour Anaïs et Marine. Ah, et... technique demandée par Anaïs parce que sa poignée est dévissée. Elle vient de demander... Elle vient de réaliser et Katane, non, c'est là depuis le début. J'ai pas trop noté non plus que c'était depuis le début du match. Ah, si, bah, ça fait un petit moment, on entend quand t'as défend. J'entendais pas tant que ça. Et au final. Oh là, bah, elle l'a sortie celle-là. Hein. Alors, vous pensez qu'elle a récupéré une poignée de. Et là, ah, là c'est la tirée. C'est François, hein, c'est ça, qui a ramené la poignée, excuse-moi. François Churet, c'est voilà. Ça. Est-ce qu'elle va récupérer la poussée de François, si c'est sa poignée ou pas? C'est ça la question. Peut-être, peut-être. Très grosse poussée. Hein, de... Accessoirement. Accessoirement, voilà. Un certain monsieur. C'est Van hein, qui était longue hein, sur cette de... pour passer à 3-2. Marine a eu quelques occasions, Mélin Tran aussi. Et c'est Mélin Tran qui a su la mettre. Il a peut-être une balle de 4-2 pour se donner 3 balles de match derrière ça. Non. Et non, non. Anaïs qui a dit non. Non, c'est mort. Non. Allez, c'est bon. Là, je la garde avec la poignée de François, on va voir. Ça aurait pu amener la merguez, ça. Je sais pas pourquoi je la voyais dans le but. Ouais. Je voyais qu'elle rebondissait dans le but. Et finalement, non. Placement, toujours du pull shot et tentative de passe. Et non, passe, Marine, toujours présent. Hein, toujours la passe. Elle est repassée encore une fois ou pas? Je me souviens pas. Si elle est passée deux fois. Oui, elle est déjà passée entre deux... Oh, ok, oui, d'accord. Oui. Mais beaucoup d'arrêts ou de déviations par Marine. Hein, pour cette passe. C'est important de les bloquer ces passes. Hein, si on ça laisse trop de possibilités et trop de possibilités. Et oh, là, voilà, ça passe. La petite. Et là, ça passe. Ça recolle à 3-3 là. Ça a dû toucher un peu le goal, je pense. Parce qu'elle a soufflé un grand coup. Ouais. De dire c'était chaud. Mais c'est et la courte, à hein, chaque fois, qu'elle est... enfin, quand elle a réussi à bien la lancer, généralement, ça va au fond. Hein. Ah, et le golage au demi sur une jambe, je connaissais pas. Aïe. Et là, Mélin Tran, par contre, ça lui donne 2 balles de match. Hein. 2 balles de match. Là, ça leur donne 2 balles de match. Et notamment éventuellement un titre de champion du monde, bon Zenit. Il y a dommage pour le passage. Est-ce qu'elle va tenter le tir pour la dernière? Et là ça ferait 3 hein, je crois. Non, c'est la passe qui a failli passer. La passe toujours. Hein. Mais du coup... Allez Anaïs. Elle doit s'y attendre. On recolle la 4-4. On prend la manche. Et on repart et on recommence comme dirait... Ah non, c'est on recommence, j'ai pas peur comme dirait Jura. C'est ça. Le fameux qui est déjà le passé deux fois. Le fameux... Enfin, une fois ce match-là et une fois on a pu le voir au match précédent. Et Mélin Tran peut-être pour la balle de match. La poussée. Balle de match peut-être pour le titre de championne Bonzin 2023. En double féminin, temps mort. Eh oui, forcément, les 15 secondes. Et alors, rigole. Et le sourire. De dire, il était temps. Il était temps de prendre le temps mort. Allez. Allez, nice block. Allez, nice block. Allez, commande. Allez. Et non, ça passe là sur place et elle a touché. Bravo. Allez, très beau parcours hein, de Mélin Tran et Katarina Sarbulescu. Bravo. Qui sont bravo, championnes elle. Du monde Bonzini. Après avoir été deux fois championne du monde Léonard. Oui, c'est vrai. Et maintenant, c'est championne du monde Bonzini. Bravo. Ah, ça y est, la petite larme des Katarina. Bravo. La pression qui retombe. Et bravo, elle. Hein.
Ouais, là. Bon Bon prono, prono, Martin. Martin. Merci, 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 merci beaucoup. En vrai, elles ont été au-dessus. Oui, Ah, peut, oui, peut-être. Milintran, sur sa barre des 5, quand même, s'est créé beaucoup d'occasions. Ouais. Même si Après, Anaïs a quand même bien gaulé, hein, elle en a sorti quand même pas mal. Hein. et je pense que Marine a eu un peu de mal à trouver les solutions devant. Hein. Elle a eu pas mal de balles, mais elle a dû avoir. Elle a pas réussi à trouver les solutions. Katerina était très, très, très solide au À gaulage, l'arrière. donc bon. C'est pas n'importe qui non plus en face, Ah hein, faut pas non, et l'oublier. non. Et Katarina, championne du monde en titre multitable. En Milintran, double trop de féminin. titres, trop de Non mais non, titres. ça sert à rien. Mais une 30, ça sert à rien. Mais ouais, là ça a été Et quelque chose de puissant, hein. Très, on va dire très carré comme jeu, très carré. Très 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 carré.